Bienvenue dans cette vidéo, on va vous présenter la collection Les Puzzle Art à la manière 2, donc dans laquelle vous allez pouvoir travailler la pensée divergente et convergente à travers des puzzles, donc à la manière 2. Donc on va retrouver Matisse, Mondrian, plein d'artistes connus, Kandinsky, et également sur l'art culturel où on va retrouver l'Égypte, la Chine par exemple, que je vais avoir un extrait ici. Donc l'idée, vous allez avoir deux possibilités. Donc c'est un puzzle de 12 pièces, très simple. Ici, vous allez retrouver donc 12 pièces donc à la manière 2. Donc celui-ci, c'est Matisse. Et soit on va être dans le puzzle pur et simple, il va falloir refaire exactement la même chose. Ou alors, on va laisser libre cours à la créativité de l'élève et il va faire lui-même son puzzle. La particularité de ces puzzles-là, c'est que derrière, il va être sur un plateau transparent et le recto de chaque pièce, il y a les traits noirs qui apparaissent, ce qui fait que vous allez pouvoir photocopier. Donc, on va avoir des multitudes de possibilités pour travailler l'art plastique. Donc, on va pouvoir travailler des créations suivant l'envie des élèves, mais également pouvoir travailler en prolongement avec une seule pièce, par exemple, qu'on va mettre au milieu d'une feuille A4 et l'élève pourra continuer à reproduire la manière de l'artiste qu'il aura choisi à travers son puzzle. On va pouvoir aller plus loin avec des projets, des posters, plein de petites choses pour pouvoir faire éveiller la créativité des élèves. C'est bien ça le plus important autour de nos puzzle art. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine présentation de nouveaux produits Cedrape.